Bonsoir à toutes et à tous, et donc bienvenue à ce débat que je me réjouis d'animer avec donc Mélanie Roufi et Jamil Moser, que je remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce soir, et j'espère qu'on aura donc une riche discussion sur les retraites, qui est un des gros enjeux politiques de ce moment et pour lequel il y a pour l'instant une grande participation aussi politique dans les urnes, ce qui est une bonne nouvelle. Donc Jamil Moser est secrétaire général des jeunes PLR Vaud. Il a 25 ans et travaille à Transport Handicap pour conduire des personnes âgées. Et il fait aussi un master de politique de management public. Donc il est engagé en politique depuis 4 ans et défend le non à l'initiative sur la 13e rente et le oui à l'initiative pour une prévoyance vieillesse sur et pérenne. Mélanie Roufi, elle, est vice-présidente de la Jeunesse Socialiste Suisse, elle a 24 ans, est vaudoise et vit à Genève. Elle fait un master en santé globale et travaille comme assistante administrative. Elle défend le oui à la 13e rente et le non à l'initiative sur les rentes. Je vous fais un bref rappel des deux objets. Donc le premier, on va les faire l'un après l'autre. Une discussion d'abord entre nos deux intervenants et intervenantes et puis ensuite avec une partie participative avec vous, le public. Donc, qui êtes là en salle et aussi en ligne. Merci à ceux qui nous suivent en ligne. Et donc, le premier, donc, pour vivre mieux à la retraite, donc, c'est une initiative qui est portée par les syndicats et qui est défendue par la gauche et qui propose donc une 13e rente AVS sur le modèle d'un 13e salaire qui correspond à 8,3% de rente en plus annuellement. Le deuxième, pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne, donc prévoit d'élever l'âge de la retraite dans un premier temps à 66 ans et puis en fonction de l'espérance de vie avec un mécanisme sous forme d'un mécanisme automatique. Elle a été lancée par les jeunes PLR et est défendue par le PLR. Voilà, derrière ces deux objets, c'est aussi l'avenir de nos retraites qui se joue. Et donc, on se réjouit de vous entendre, d'avoir vos points de vue et vos visions de l'avenir en ce qui concerne nos rentes. Donc, vous allez vous passer le micro. Je commence donc avec vous, Mélanie Roufi, sur la 13e rente. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une 13e rente? Alors, tout simplement parce qu'actuellement, 14% des retraités sont sous le seuil de pauvreté, avec 100 000 en plus qui s'en rapprochent. Et ça, c'est absolument indigne d'un pays comme le nôtre d'avoir une telle proportion de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé et qui n'arrivent pas à terminer leur fin de mois avec l'AVS actuellement. Surtout en période de renchérissement, comme ce qu'on vit, les individus payent jusqu'à 3 500 francs de plus à l'année avec toutes les charges qui s'accumulent. Alors certes, les rentes ont été indexées récemment, mais pas de manière suffisante comparée au renchérissement, entre autres parce que l'indexation se fait sur l'indice des prix à la consommation qui ne prend pas en compte, par exemple, les primes qui sont pourtant un poste de dépenses énorme. Donc c'est tout simplement la 13e rente, c'est une manière pour une énorme partie des retraités de pouvoir enfin joindre les deux bouts. C'est une question de dignité et même de respect envers ces personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont contribué à l'économie, qui ont contribué à la société et qui méritent de pouvoir vivre tranquillement leur retraite. Merci. Jamil Moser, pour vous, c'est pas une question de dignité, il n'y a pas besoin d'une 13e rente? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence ici ce soir. Ça fait plaisir, des jeunes, des moins jeunes. On voit que c'est un débat intergénérationnel qui intéresse beaucoup. Alors, pour répondre à votre question ainsi qu'à l'intervention de Madame Ruffy, peut-être un bref historique de l'AVS pour celles et ceux qui sont moins bien informés. Une création en 1948 et des finances qui n'ont cessé d'évoluer. Comme vous le savez, les baby-boomers arrivent à la retraite. Les conditions deviennent particulièrement incertaines pour l'assurance vieillesse et survivants. Selon l'Office fédéral des assurances sociales, les finances vont mal. En 2050, l'AVS cumulera un déficit de 80 milliards de francs. Et dès 2032, les contributions au compte de l'AVS, que sont les cotisations, les impôts et la TVA, ne seront plus suffisants pour payer l'intégralité des rentes AVS. Je vois que ça fait rire certains de nos invités. C'est une possibilité. L'initiative défendue par Mme Ruffy ainsi que l'Union syndicale suisse
ne fera qu'accélérer la chute de l'AVS dès 2029. Lorsqu'un compte va aussi mal, pour moi, il faudrait d'abord chercher à redresser sa situation avant de dilapider encore plus rapidement l'argent qui reste. Alors, je sais qu'on va nous dire après que l'AVS a une fortune de 50 milliards, ce qui correspond en fait tout simplement au taux de réserve obligatoire de l'assurance vieillesse et qui correspond également à une année de prestations. En cas de crise majeure, on peut verser des rentes pendant une année. Alors, malgré cette marge, l'AVS commencera à être en déficit systémique dès la fin de la décennie. Donc pour moi, il faut agir très clairement et certainement pas dans le sens proposé par la gauche. Dans le cadre de cette initiative, aucun plan de financement n'est annoncé, n'est dit, ce qui est inédit pour un projet qui va coûter plus de 4 milliards par année, car les initiants sont tout à fait conscients que la population n'est pas prête à se faire taxer une fois de plus. Alors, proposer de dépenser plus alors que les finances de l'AVS sont déjà fragiles, c'est pour moi tout à fait suicidaire. La classe moyenne, les jeunes et les actifs que je représente devront payer de leur poche pour cette rente, donc puiser dans un pouvoir d'achat qui s'amaigrit de crise en crise pour compenser cet immense trou. Alors, on a appris la semaine dernière que la Confédération avait fini l'année 2023 avec un déficit d'environ 1,4 milliard, si je me souviens bien, ce qui n'augure déjà rien de bon en termes de nouvelles taxes pour nous, les jeunes et les actifs. Je ne pense pas que cette initiative soit une bonne nouvelle pour nous. Pour terminer mon point, je pense qu'en voulant arroser tous les retraités de manière égale sans prendre en compte la diversité de leur situation financière, la gauche met en danger l'intégralité du système des trois piliers et le futur de ce système qui pèsera alors sur les actifs. Vous pouvez rebondir, oui. Merci. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'aimerais commencer par l'idée que les initiants pour la 13e rente n'ont pas apporté d'idée de financement. Ça m'inquiète un tout petit peu cet argument parce que ça donne l'impression que mon collègue n'a même pas pris la peine d'ouvrir l'argumentaire en faveur de l'initiative qui indique très clairement qu'avec une hausse des cotisations de 0,4%, cette augmentation de rente serait financée. Outre ça, l'idée revient beaucoup que les finances de l'AVS vont mal. Commençons par 2030. Déjà, c'est quelque chose d'assez formidable, le fait que l'AVS soit stable jusqu'en 2030 sans qu'on doive refaire de réforme. En plus, ça fait des années que l'AVS augmente ses bénéfices. Et on sait que depuis le début des années 2000, les pronostics qui sont faits à propos des finances de l'AVS sont systématiquement beaucoup plus pessimistes que la réalité. Ça fait depuis le début des années 2000 qu'on nous annonce une faillite prochaine de l'AVS, alors que année après année, le capital augmente et chaque année, les chiffres sont positifs. Et ensuite, par rapport à 2050, moi, je trouve assez peu compréhensible qu'on puisse maintenant s'opposer à une réforme de l'AVS en faveur de la population sur la base de prédictions en 2050, sachant qu'on n'a aucune idée de à quoi ressemblera la conjoncture économique en 2050. Il y a plein de manières de renflouer l'AVS. Par exemple, l'immigration, aucun moyen de savoir à quoi ressemblera l'immigration en 2050. Aussi, pas moyen de savoir comment la productivité aura augmenté en 2050. Beaucoup de choses peuvent changer et on ne peut juste pas dire aux personnes qui actuellement n'arrivent pas à payer leurs factures non, on ne peut pas vous offrir cette aide parce qu'en 2050, après des années et des années et des années, l'AVS aura peut-être accumulé du déficit. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre d'ici là. Jamil Moser, le financement à 0,4% de cotisation salariale, pour vous, ce n'est pas une bonne solution ? Alors, je pense qu'il y a un mot qui est revenu dans l'intervention de Mme Ruffy, c'est le mot prédiction sur la conjoncture, enfin, prédiction et puis plus globalement, prédiction sur la conjoncture économique. Je pense que c'est une contradiction assez large de dire que les prédictions de l'Office fédéral des assurances sociales, qui est donc un chiffre objectif par une administration publique, donc vous dites que c'est une prédiction qui se base sur rien, mais les 0,4% de cotisations supplémentaires, eux, seraient basés sur une certitude, alors qu'on ne sait, comme vous dites, pas de quoi sera fait la conjoncture économique, de quoi sera fait l'immigration, les travailleurs qui cotiseront justement pour ces rentes, alors qu'on sait que les retraités, les baby-boomers, vont de plus en plus partir à la retraite. 1,7 million de rentiers aujourd'hui, dès 2030, 2,2 millions de rentiers, de moins en moins de personnes qui sont
en train de cotiser pour ses rentiers. Donc on avait en 1948 6 cotisants pour un retraité, on en a aujourd'hui plus que 3. Vous ne pouvez aussi peu que moi, et peut-être un petit peu moins que l'Office fédéral des assurances sociales, prédire le futur de la conjoncture économique et comment on va pouvoir financer votre initiative. De plus, le texte en lui-même ne parle absolument pas des moyens de financement. C'est seulement dans votre argumentaire que j'ai bien évidemment pris le temps de lire. Juste encore une chose, peut-être avant que vous répondiez, parce que sur ces questions de bénéfices, là encore, les chiffres sont sortis aussi hier par rapport aux bénéfices pour 2023 qui s'élèvent à 1,6 milliard finalement. Est-ce qu'on n'est pas, comme le dit Mélanie Ruffy, est-ce qu'on n'est pas dans des prédictions qui sont toujours très pessimistes et finalement on voit que l'AVS s'en sort, quoi, en tout cas pour 2023. Alors, je trouve quand même un peu surprenant qu'il y ait une remise en cause systématique de chiffres qui sont objectifs, objectivés par l'État, par l'administration publique, qui n'est absolument pas politisée. Et je crois sur parole l'Office fédéral des assurances sociales et l'Office fédéral des statistiques quand il nous dit que dès 2030, l'AVS ne sera plus finançable grâce à la TVA, aux cotisations et aux impôts, et que dès 2050, 80 milliards de déficits seront à décompter pour le compte de l'AVS. Je le répète, quand un compte va aussi mal, on cherche d'abord à le redresser et après à dépenser davantage. Mélanie, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou sinon ? Oui, je veux bien réagir là-dessus. Oui. Alors, je suis très contente que le chiffre de ce ratio entre retraités et personnes actives ait été mentionné. Effectivement, on entend beaucoup. En 1948, il y avait 6 personnes actives pour une retraitée et maintenant, il n'y en a que 3. Alors, ce chiffre est objectivement vrai, mais la manière dont il est présenté par la droite, il manque absolument de contexte. Parce que, aux deux époques, en 1948 comme maintenant, les femmes sont incluses dans ce chiffre, alors qu'en 1948, à 80% d'entre elles ne travaillaient pas, alors que maintenant, 80% d'entre elles travaillent. De plus, l'espérance de vie et la pyramide démographique, c'est pas la seule chose qui évolue avec le temps, la productivité aussi. Et l'énorme augmentation de la productivité depuis 1948, elle a permis aussi le fait que l'AVS ait pu rester stable dans son financement. Ce que ça veut dire, c'est que d'une part, l'entrée des femmes sur le marché du travail et de l'autre, l'augmentation de la productivité, il y a besoin de moins de personnes pour financer la rente d'une personne à la retraite. C'est pour ça que entre 1975 et 2013, alors que le taux de cotisation est resté le même, les recettes de l'AVS basées uniquement sur les cotisations ont doublé. On crée plus de valeur et comme ça, on cotise aussi plus à l'AVS et ainsi on a besoin de moins de personnes pour financer une rente. Et donc ce ratio en soi, il est vrai, mais il ne dit pas grand-chose sur l'état des finances de l'AVS. Sur cette question de ratio, est-ce que finalement on n'a pas été justement trop pessimiste ? Est-ce que la productivité, l'entrée sur le marché du travail des femmes, on voit qu'on a réussi à financer jusqu'à maintenant. Alors deux choses. Premièrement, je ne pense pas que votre affirmation contredise la mienne. Mais tout simplement, l'augmentation de la productivité ou l'entrée d'individus sur le monde du travail ne compense pas le fait que les rentes aussi ont été indexées, donc ça revient au même, et que ça ne suffit pas à compenser le besoin financier des comptes de l'AVS. Ensuite, moi j'ai parlé de 6 cotisants pour un retraité, donc un cotisant par définition est quelqu'un qui est sur le marché du travail, femme ou pas. 6 actifs. Voilà. Peut-être qu'on laisse les interventions du public peut-être après, parce que en fait les personnes en ligne du coup vous entendent pas, ce qui est un peu dommage. Mais merci pour cette intervention. Sur la question de la pauvreté à la retraite, finalement l'AVS est basée sur un principe de solidarité. Est-ce que c'est pas une bonne solution de renforcer ce pilier-là ? Alors,
je suis tout à fait préoccupé par la situation de nos retraités, même si je n'ai pas l'impression que madame en face le ressente. Mais comme vous l'avez dit, madame Ruffy, 14% des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté. Moi, ce que j'ai de la peine à comprendre, c'est comment est-ce que la gauche peut soutenir une mesure qui aiderait autant les 5 retraités sur 6, donc les 86% de retraités qui vivent en dessus du seuil de pauvreté, qui vivent donc dignement, les aider autant que ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors qu'on pourrait aider davantage ceux qui ne s'en sortent pas, notamment par des mesures ciblées. De plus, si ces 15% de retraités ne peuvent pas joindre les deux bouts, ce chiffre est encore plus élevé chez les actifs et les jeunes. C'est pour cela que je me dresse face à cette initiative, pour expliquer que la 13e rente sera financée par des taxes et des impôts supplémentaires à la charge de nous, les jeunes et les actifs. Je suis totalement conscient qu'une partie de la population ne peut pas vivre convenablement grâce aux rentes, raison pour laquelle je milite pour une augmentation des prestations complémentaires, pour une diminution des entraves administratives pour y accéder, pour un abaissement du seuil d'accès au deuxième pilier, pour une éducation financière au troisième pilier, mais certainement pas pour une mesure qui donnera autant d'aide, donc 8,3% de rente supplémentaire aux millionnaires qu'aux plus démunis, comme le prévoit la 13e rente ABS. Mélanie Ruffy, c'est un élément qu'on a beaucoup entendu, hein, cette mesure d'arrosoir. Est-ce que vraiment c'est la bonne solution de cibler tout le monde, enfin toutes les personnes qui reçoivent l'AVS et pas d'avoir des aides plus ciblées? Oui, j'avoue que moi ça m'étonne toujours que pour une fois la droite soit si inquiète de redonner de l'argent aux riches. En général, c'est pas leur préoccupation principale. Ça fait des années que la droite propose sans cesse des cadeaux fiscaux qui bénéficient aux plus riches. Donc, quelque part, c'est rafraîchissant d'entendre cet argument. Effectivement, tout le monde bénéficiera de l'AVS. Déjà, de la 13e rente. Déjà, les 300 000 personnes à la retraite qui sont proches du seuil de pauvreté, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Déjà, il y a une marge entre... Être au-dessus du seuil de la pauvreté, ça ne veut pas forcément dire qu'on vit dignement, parce qu'on rappelle quand même que 40% de la population ne reçoit que l'AVS et la moitié des femmes ne reçoivent que l'AVS, dont la rente maximale n'est que de 2450 francs. 2450 francs, actuellement, pour vivre en Suisse, c'est très peu, même si ça ne rentre pas forcément dans le fait d'être sous le seuil de pauvreté. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette rente. Et l'idée que les très très riches vont aussi recevoir la rente, sachant que les cotisations, elles se font sur le salaire, y compris leur très haut salaire, y compris leur bonus, ce qu'ils paieront en plus à l'AVS, et ne sera encore est beaucoup plus bénéfique pour l'AVS que l'argent qu'on perd en leur reversant cette rente. Les grandes fortunes continueront à contribuer beaucoup plus qu'elles pourront gagner avec cette 13e rente. Donc, ce n'est pas une mesure arrosoir, c'est tout simplement une mesure qui fait bénéficier tout le monde, parce que presque tout le monde en a besoin. Jamil Moser, du coup, vous parlez de ces aides ciblées, enfin... La question, enfin, le financement de l'AVS est solidaire, donc avec des hauts revenus qui financent beaucoup plus. Est-ce que finalement, c'est derrière l'argument de dire mais ça cible tout le monde, est-ce qu'on n'a pas envie que les hauts revenus, est-ce que votre parti n'a pas envie que les hauts revenus contribuent encore fortement en fait pour des plus petits salaires? Alors, c'est déjà le cas, je pense que Mme Ruffy l'a dit, hein, les hauts revenus contribuent bien davantage que les petits revenus aux contributions de l'AVS et payent bien davantage d'impôts et contribuent bien davantage aux recettes fiscales de la Confédération que les plus bas revenus, à hauteur de 60 ou 70% de recettes fiscales pour la tranche la plus riche de la population suisse ainsi que les entreprises. Pour réagir aux propos précédents, au niveau de... propos politiques au sens large, c'est effectivement, comme je disais, la première fois que la gauche s'obstine à vouloir donner plus aux mieux lotis, ou du moins autant qu'à ceux qui en ont réellement besoin. En revanche, pour être moins rafraîchissant, c'est loin d'être la première fois qu'elle veut encore taxer davantage les jeunes et les actifs, mais c'est bizarrement la première fois que le populisme de gauche s'oriente en faveur des aînés, alors que d'habitude, les aînés, c'est la cible parfaite des maux de notre société, notamment
en termes de climat, où on les accuse toujours d'avoir détruit notre monde. Aujourd'hui, on vient les défendre, on veut les protéger, on veut les aider, alors que c'est très rarement le cas. Pour continuer sur la situation des rentiers, je voulais dire qu'une rente sur trois est versée à l'étranger, ce qui fait 7 milliards de francs par année, dans des pays où le salaire moyen est inférieur à la rente minimale offerte par l'AVS. Que deux tiers des rentiers sont propriétaires d'un bien immobilier ou en possession d'au moins 100 000 francs sur un compte, et que les rentiers AVS sont en moyenne, donc toujours pour utiliser une approche scientifique et objective des chiffres sortis par la Confédération Suisse, sont en moyenne 6 fois plus riches que les actifs. Alors, en tant que jeune actif, je pense que nous taxer davantage pour financer cette mesure ne fera que nous éloigner de ces idéaux de réussite, d'acquérir un jour ou l'autre un bien immobilier ou de s'enrichir d'une façon ou d'une autre. Alors, ces chiffres objectifs de l'Office fédéral de la statistique ne sont pas des sentiments, mais des faits. Mais je comprends qu'on puisse s'interroger ou se demander ce qu'il en est des sentiments. Donc, je vais me référer à une autre étude de l'Office fédéral des statistiques qui interroge nos retraités. Et la satisfaction de leur situation, de la situation financière des Suisses est croissante de l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus on est satisfait de sa situation financière. 77% des 65 ans et plus ont exprimé leur satisfaction avec leur situation financière, alors que les familles actives sont beaucoup plus pessimistes et croulent déjà sous les factures, les taxes, les impôts. Et voilà. Bien sûr, une majorité satisfaite ne veut pas dire qu'il y a des retraités en situation de détresse, raison pour laquelle nous agissons et nous militons, notamment au Conseil des États, pour plus de prestations complémentaires, par exemple, au lieu de donner une 13e rente à tous les retraités, y compris pour une majorité pour laquelle ce n'est manifestement pas nécessaire, autant objectivement que subjectivement. Alors, à l'aune de ces considérations chiffrées, objectives pour certaines et subjectives pour d'autres, je ne peux tout simplement pas être en faveur d'une mesure arrosoire, comme je l'ai dit, qui va donner plus à des retraités globalement en bonne santé financière et prendre davantage à des actifs qui sont déjà martelés par l'inflation, pendant que les rentes AVS sont indexées, comme vous l'avez dit avant, à l'IPC depuis 1979. Je vous laisse réagir sur cette question aussi. Voilà, on entend cet argument hein, de dire oui, il y a des jeunes. Enfin, ce sera si c'est 0,4% sur les salaires, c'est aussi sur les petits salaires, aussi sur des personnes qui galèrent déjà financièrement. Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ça alors qu'il y a une partie des retraités qui s'en sortent bien? J'aimerais juste revenir sur l'idée que vous militez pour des meilleures prestations complémentaires au Parlement. Les prestations complémentaires ont quand même diminué dans leur offre. Enfin, les conditions d'accès aux prestations complémentaires ont été rendues plus difficiles en 2021, entre autres avec le soutien du PLR. Ça fait que depuis le début 2024, avec l'entrée en vigueur de ces mesures votées en 2021, déjà 70 000 personnes ont vu leurs prestations complémentaires diminuer. Il y a jusqu'à 230 000 personnes actuellement en Suisse qui pourraient bénéficier des prestations complémentaires et qui ne le font pas parce qu'elles sont difficiles d'accès et aussi parce que c'est difficile d'accepter qu'on a besoin de l'aide sociale. J'aimerais aussi bien savoir ce que vous faites pour améliorer cet accès alors que, et surtout d'améliorer la stigmatisation qu'il y a autour de l'accès aux prestations complémentaires, alors que la droite critique sans cesse le fait de devoir être aidé par l'État et incite toujours les gens à se débrouiller par eux-mêmes, au final, pour pouvoir réussir dans la société et ainsi ne pas dépendre de l'État. Et enfin, on ne peut simplement pas présenter les prestations complémentaires comme une solution à la précarisation des plus âgés. Ce serait comme dire qu'on refuse d'augmenter les salaires parce qu'on peut bénéficier de l'aide sociale. Il y a quelque chose qui est une mesure pansement pour les cas les plus difficiles, c'est les prestations complémentaires. Et ensuite, il y a les problèmes systémiques, comme c'est le cas avec le fait que les rentes AVS sont trop basses. Et on ne peut pas régler le fait que les rentes AVS sont trop basses avec une augmentation des prestations complémentaires. On ne peut les régler qu'en augmentant les rentes AVS, comme le fait cette 13e rente. Ensuite, l'idée que les jeunes vont payer le prix de cette mesure. Déjà, si on part sur un financement avec une augmentation du taux de cotisation, ce n'est pas que les jeunes qui vont payer cette augmentation du taux de cotisation. Les syndicats ont aussi estimé que c'était au final un prix
peu cher payé, cette augmentation des cotisations. Par exemple, si on voulait recevoir l'équivalent de cette 13e rente à la retraite en économisant au 3e pilier plutôt qu'à l'AVS, il faudrait cotiser 3 fois plus. Tout simplement parce que l'AVS, c'est le système le plus efficace, parce qu'il a des frais administratifs en moins, des frais de publicité. Surtout, il n'a pas besoin de verser de l'argent aux actionnaires, contrairement au 2e et au 3e pilier. Donc l'AVS, c'est le moyen le plus simple de reverser de l'argent aux retraités en cotisant le moins possible pour les plus jeunes. Aussi, je m'oppose totalement au fait que la question de la 13e rente, c'est un conflit entre les plus jeunes et les plus vieux. Moi, je pense que c'est un conflit entre les plus pauvres et les plus riches. Parce que certes, les plus riches actuellement sont ceux qui contribuent le plus à l'AVS, mais ils pourraient contribuer encore plus. On pourrait par exemple cotiser sur les revenus du capital qui actuellement ne sont pas soumis aux cotisations, alors que les actionnaires et les grands patrons se versent plutôt des dividendes que des gros salaires. Par exemple, les dividendes qui sont versés aux actionnaires des caisses de pension, ça se chiffre en milliards. Donc on peut imaginer ce que des cotisations là-dessus pourraient apporter à l'AVS. L'AVS est un outil qui est fondamentalement redistributif, et ce qu'il faut, c'est le rendre encore plus, pour le consolider, c'est le rendre encore plus redistributif. Et la redistribution, elle se fait entre classes sociales. C'est donc en conflit de classe et pas du tout en conflit de classe d'âge. Jamil Moser, je crois que vous avez envie de réagir. Je vous ai vu vous agiter beaucoup. Bien allez-y. Sûr. Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour dire que l'intégralité des assertions de Madame Ruffy sont des assertions politisées ou politiques. Hein. Vous avez parlé de des syndicats. Ouais. Voilà. Alors que l'intégralité des assertions que j'ai jusqu'à présent présentées sont des assertions objectives et objectives. C'est des arguments politiques. Aussi, mais je me réfère à ces faits objectifs. Je vous laisse les présenter. Je pense qu'on va juste rentrer dans le débat. Voilà. Enfin, chacun, vous avez vos arguments basés sur des chiffres. Alors, je réagis peut-être à quelques points pour pas faire trop long. Mais donc, vous avez parlé de l'AVS comme un problème systémique. Je l'ai dit, je le répète. Un rentier sur 6 vit en dessous du seuil de pauvreté, ça fait 14%. 14% de rentes insuffisantes, ça ne justifie pas d'augmenter les rentes pour tout le monde et ça ne justifie pas de faire payer tout le monde pour ces rentes. On peut aider ces personnes, et j'ai dit de quelle manière on les aide, mais on ne va pas augmenter les rentes pour tout le monde, encore moins pour les 85% qui n'en ont pas besoin. Ensuite, vous avez parlé des embûches administratives pour l'accès aux prestations complémentaires. Je pense que c'est bien connu que la droite, et plus particulièrement le PLR et sa section jeunes, se bat depuis sa création pour la fin des embûches administratives, pour moins de paperasserie et autres. Et c'est plutôt à gauche qu'on est expert de toujours remplir des formulaires et des formulaires, ce contre quoi on se bat. Vous avez ensuite parlé des dividendes, des actionnaires et des personnes qui seraient au bénéfice de ces choses. Mais moi, je me bats justement pour un accès au deuxième pilier, pour une éducation financière à l'investissement. Et plutôt que de critiquer toujours les personnes qui perçoivent des dividendes ou qui sont actionnaires d'entreprise, je motive les travailleurs à devenir eux-mêmes investisseurs, à participer à l'économie suisse et à toucher les fruits de la croissance économique, en étant au deuxième pilier, en ouvrant des troisièmes piliers, en investissant et en participant à l'économie. Alors je suis tout à fait conscient que ce n'était pas possible à une certaine époque de participer à l'économie comme ça l'est aujourd'hui, mais aujourd'hui, pour les jeunes, c'est possible et c'est pour ça que je me bats pour cette éducation financière-là. Juste une précision. Est-ce que, par rapport à cet accès au deuxième pilier, est-ce que vous sous-entendez que les 40% de la population qui ne touche pas de deuxième pilier ne contribuent pas à l'économie ? Alors, il y a beaucoup de façons de contribuer à l'économie. Le fait de cotiser au deuxième pilier en fait partie. Le deuxième pilier n'est pas aussi ancien que l'AVS, raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas pu y accéder. Il y a aussi des personnes qui ne gagnent pas assez, malheureusement, et qui n'y ont pas accès, raison pour laquelle je me bats pour l'abaissement du seuil, du seuil d'accès au deuxième pilier. Au-delà de ça, travailler est une contribution pure et simple à l'économie. Donc, je ne comprends pas votre question. C'est parce que c'est vous qui avez dit que vous incitez les gens à contribuer à l'économie pour qu'ils touchent un deuxième pilier. Je pense que tout le monde contribue à l'économie, y compris les gens qui ne touchent pas de deuxième pilier actuellement, ce qui est presque la moitié de la population. Par rapport au fait que
encore une fois, vous insistez sur le fait que pas tout le monde a besoin de cette mesure parce qu'il n'y a que 15% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Encore une fois, 15% c'est déjà beaucoup. On rajoute encore 100 000 qui se situent juste au-dessus de la limite. Et à ça, on peut aussi rajouter le fait que 50% des femmes, la moitié des femmes, ne touchent que l'AVS. Et l'AVS n'est pas suffisante pour vivre avec une rente minimum de 2450 francs. Maximum, effectivement. Rente maximum de 2450 francs. On aimerait bien que ce soit la rente minimum, c'est pas le cas. Mais du coup, j'aimerais revenir sur le... Vous dites que vous faites tout pour ce que ces 15% puissent... si vous n'êtes pas pour la 13e rente, que ces 15% puissent se sortir de la pauvreté. Quelle est exactement votre offre si ce n'est pas les prestations complémentaires puisque vous avez diminué l'accès à celles-ci? Je vous propose de conclure gentiment sur cet aspect-là, qu'on ait le temps aussi de pouvoir traiter du deuxième objet de votation. Mais je vous laisse la parole. Alors, moi, je vais peut-être me répéter, mais je suis surpris qu'on propose une 13e rente à tout le monde lorsque c'est une minorité qui en a besoin. Lorsque, par exemple, on parle des pollueurs, on dit 10% de la population... Peut-être soyez concis sur la question qui était de savoir quels sont les... vu qu'il y a une diminution des prestations complémentaires, quelles propositions concrètes y a-t-il ? Madame Ruffy a dit que 230 000 personnes y avaient accès et ne les prenaient pas, ne les touchaient pas pour diverses raisons. Raison pour laquelle, selon moi, il faut faciliter son accès et éduquer les gens en leur disant ce n'est absolument pas une honte, c'est un droit, et constitutionnel d'ailleurs, et il faut l'utiliser. Ok, je vous remercie. On aura l'occasion encore de continuer certainement avec les questions du public sur l'un ou l'autre aspect abordé. Je vous propose donc de passer maintenant au deuxième objet de votation, donc la retraite à 66 ans, puis adaptée à l'espérance de vie. Jamil Mozart, vous avez le micro. Je vous laisse la parole aussi, parce que c'est votre initiative. Pourquoi augmenter l'âge de la retraite à 66 ans maintenant ? Alors, contrairement à la gauche qui propose d'augmenter les dépenses sans nous expliquer forcément où trouver l'argent, les jeunes PLR, eux, arrivent avec une solution, une alternative concrète. Flexibiliser l'âge du départ à la retraite et l'adapter à l'espérance de vie. Alors, l'espérance de vie à la retraite, elle a doublé depuis 1948 et la création de l'AVS. L'espérance de vie en bonne santé, elle, augmente proportionnellement encore plus grâce au progrès de la médecine notamment. Ce qui sous-entend d'ailleurs que les rentes sont versées pendant deux fois plus longtemps qu'en 1948. Et l'effet de la productivité ou des salaires plus élevés ne compense pas du tout cet effet pour anticiper votre réponse. Dans le même temps, il y avait la création de l'AVS, comme je l'ai dit, 6 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a deux fois moins. Il y aura de plus en plus de cotisants à l'AVS parce que les baby-boomers partent à la retraite. Plus de 70% de plus de rentiers en 2050 par rapport à aujourd'hui, lorsque les cotisants n'auront augmenté que de 18%. Comment allons-nous faire? Je vous laisserai me l'expliquer. Sans compter le fait que les jeunes entrent de plus en plus tard dans le monde du travail, ou du moins d'une façon plus diffuse. Je pense en être un exemple type. J'ai commencé à travailler à 15 ans en 2014. Après, j'ai repris un parcours universitaire. Donc, il y a eu des va-et-vient comme ça, ce qui fait que je n'ai pas pu toujours cotiser à 100% alors que j'ai déjà 25 ans. Alors, nous sommes conscients, en tant que jeune PLR, que cette proposition est audacieuse, encore plus aussi peu de temps après la récente réforme AVS 21. Mais selon nous, c'est la seule qui ne vient pas une fois de plus mettre son nez dans le portefeuille des jeunes et des actifs. De plus, l'augmentation de l'âge de la retraite ne serait que temporaire, parce que comme vous l'avez dit, il serait adapté à l'espérance de vie et aux besoins de l'AVS, le temps que le trou creusé par le baby-boom referme et de lui-même avec le rééquilibrage démographique. Alors, cette initiative, elle prend totalement en compte la difficulté des métiers, car les conventions collectives de travail ne seraient pas concernées et des maçons, par exemple, qui partent à la retraite à 60 ans, ne devraient pas travailler davantage. Alors, en demandant cet effort supplémentaire à la population suisse, nous ne faisons que d'éloigner l'AVS du précipice dans lequel la gauche tente de mettre l'assurance avec son initiative ruineuse.
Donc voilà pourquoi nous présentons cette initiative. Je le répète, nous sommes conscients que ce n'est pas évident, qu'on demande un effort supplémentaire à la population suisse, mais selon nous, c'est la seule solution qui ne coûte pas d'argent et qui correspond à l'évolution du contexte qui n'est pas pris en compte par la gauche. Madame Ruffy, est-ce que ce n'est pas finalement logique de prendre en compte l'espérance de vie des rentes qui sont traitées deux fois plus longtemps ? Qu'est-ce que vous répondez ? Alors évidemment que l'espérance de vie, elle a augmenté ces dernières années, mais déjà la croissance de l'espérance de vie, elle n'est pas linéaire, et les statistiques fédérales, justement, que vous aimez tellement, prédisent que cette croissance, elle va plutôt tendance à s'affaiblir. Et vous l'avez mentionné d'ailleurs, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, ce n'est pas la même mesure. Sauf que l'espérance de vie en bonne santé, certes, elle a augmenté ces dernières années pour les plus riches, mais pour les personnes avec un niveau d'éducation obligatoire, elle a diminué sur ces 25 dernières années. Ça fait que les gens qui ont aussi souvent les métiers les plus précaires et les plus difficiles se voient vivre en bonne santé moins longtemps. Déjà, actuellement, l'âge de départ à la retraite, il est plus élevé pour certaines personnes que l'espérance de vie en bonne santé, ce qui évidemment fera qu'empirer dans cette situation. Ensuite, évidemment, que les CCT, qui sont censés prendre en compte la pénibilité des métiers, sont menacés par cette initiative, parce qu'il n'y a dans le texte de l'initiative aucune mesure qui protège ces CCT. En plus, c'est bien la première fois que la droite valorise le combat des syndicats d'avoir des CCT en faveur des travailleurs. Évidemment que ces CCT, elles vont devoir être renégociées si cette initiative passe, et ce ne sera que plus facile pour les patrons de négocier une augmentation de l'âge de la retraite. Bah, si on prend l'exemple des maçons, pour les maçons, sachant si l'âge de la retraite générale, il a augmenté. Donc évidemment que dans les négociations qui auront lieu par la suite, si ça passe, ces CCT seront en danger. Et aussi, il faut se rappeler que pas tout le monde travaille jusqu'à l'âge de la retraite. Certes, ça va être un effort pour toute une partie de la population de devoir travailler jusqu'à 67 ans, mais ce ne sera pas autant un effort pour, par exemple, les banquiers et les assureurs qui sont ceux qui partent le plus tôt à la retraite. Dans les avoirs du deuxième pilier qui sont retirés autour des 60 ans, donc pour ceux qui peuvent se permettre une retraite anticipée, ces avoirs sont 1000 francs plus élevés que pour ceux qui retirent ces avoirs à 65 ans, l'âge de départ à la retraite. Donc certes, c'est un effort qui est demandé, mais surtout un effort qui est demandé aux gens les plus précaires et avec les conditions de travail les plus difficiles. Ceux qui vont devoir travailler malades, ceux qui ne pourront jamais profiter de leur retraite, puisque leurs problèmes de santé commenceront avant même qu'ils aient pu arrêter de travailler, alors que les banquiers, les assureurs, y compris ceux qui soutiennent l'initiative, eux pourront dans tous les cas partir à leur retraite à 60 ans, sans au final devoir vivre avec les conséquences de l'initiative qu'ils défendent. Qu'est-ce que vous répondez, Jamil Moser, déjà à l'espérance de vie qui augmente plus, enfin, on n'est pas tous et tout égaux face à l'augmentation de l'espérance de vie. Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ces différences et dire, bon, ben voilà, suivant le métier, la classe sociale, on n'a pas les mêmes chances, en fait, bien évidemment. Bien évidemment, et c'est pour cette raison d'ailleurs que les conventions collectives de travail existent, pour permettre aux personnes qui ont des travails plus pénibles et donc qui ont une espérance de vie en bonne santé moins élevée, de pouvoir partir à la retraite plus tôt. Vous avez remis en cause le système suisse qui fonctionne très bien avec les partenaires sociaux qui négocient entre eux, donc sans avoir de débat politique là-dessus, en disant que les conventions collectives de travail étaient menacés, mais dans les conventions collectives de travail, les syndicats ont autant de pouvoir que le patronat et discutent entre eux du bon âge pour partir à la retraite en fonction du contexte et des conditions de travail du domaine en particulier. Il y a aussi un point que je voulais citer précédemment. Si on fait une comparaison internationale et qu'on prend par exemple l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Italie, le Danemark, ils ont tous pris des mesures pour augmenter progressivement la retraite à 66 voire 67 ans parce qu'ils ont très bien compris que c'était le seul moyen de maintenir leur système de retraite, et c'est notamment des majorités de gauche qui l'ont fait. Je vous laisse peut-être répondre à ce dernier argument. Effectivement, autour de nous, ça augmente. Pourquoi pas en Suisse ? Tout simplement parce que c'est fait ailleurs, c'est pas en soi une preuve que ça marche. Je dirais ça, et en plus, c'est pas vrai que l'augmentation de l'âge de la retraite est le seul moyen d'augmenter le financement de l'AVS. Comme je l'ai dit, on pourrait prélever des cotisations sur les revenus du capital. On pourrait aussi instaurer un taux de cotisation progressif selon le niveau de revenus.
On pourrait aussi augmenter la part de la Confédération en augmentant, par exemple, le revenu fédéral direct avec un impôt sur les grandes fortunes. Il y a plein de manières de financer l'AVS. Il suffit juste d'être un peu créatif et d'être prêt à renforcer la dimension redistributive du système plutôt que vouloir faire travailler toujours plus longtemps les gens. En plus, dire qu'il suffira de faire d'actionner les partenariats sociaux, évidemment que moi je suis pour les CCT, mais c'est un manque de prévision de l'initiative de juste se dire « Ah bon, bah, nous on n'a pas su instaurer une protection pour les métiers pénibles, donc on va laisser au syndicat le soin de le faire après que notre initiative elle passe. » Peut-être sur cette question des CCT, effectivement, comment garantir que ça ne se dégrade pas, en fait, les conditions ne se dégradent pas pour les employés. La garantie est aussi forte que la présence d'un plan de financement pour la 13e rente. Inexistante. J'attendais avec impatience le mot taxer les riches, parce que c'était vraiment la chose que j'attendais. C'est la même chose pour votre proposition sur les 50% d'impôt pour les successions dont vous avez débattu récemment. Vous le savez mieux que moi, les riches sont mobiles. On a l'exemple récent d'augmentation de 0,1 point de pourcentage de l'impôt sur la fortune en Norvège. Les 30 Norvégiens les plus riches sont Atsug. De plus, comme je l'ai dit précédemment, 60 à 70% des recettes fiscales sont payées déjà par les plus riches. Donc j'aimerais qu'on cesse de les présenter comme des individus qui ne payent purement et simplement pas d'impôts, alors que c'est déjà ceux qui contribuent le plus aux recettes fiscales de la Confédération. Est-ce que c'est une fausse bonne solution? Qu'est-ce que vous répondez à ça finalement? Risque de partir, ils contribuent déjà suffisamment? Ah bon, alors ça c'est l'argument classique, hein. On ne peut pas taxer les riches parce que les riches vont partir. Déjà, il faut savoir que la plus grande mobilité des riches, elle ne se fait pas entre les pays, elle se fait entre les cantons. À cause de la concurrence fiscale. Aussi, la fiscalité d'un pays, ce n'est pas du tout le seul ni même le premier argument qui est pris en compte pour les grandes fortunes quand elles décident où s'établir. Au contraire, la qualité de vie rentre beaucoup plus en jeu, et la qualité de vie, c'est quelque chose qu'on peut financer grâce aux impôts, notamment. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le débat sur notre initiative sur les héritages, mais évidemment qu'une solution, ce serait aussi d'instaurer des impôts sur les grandes fortunes au niveau européen, par exemple, ou en tout cas au niveau international. Ça, c'est la solution pour éviter la mobilité, plutôt que le fait de juste pas taxer les riches, sachant qu'ils payent de moins en moins d'impôts, alors que leur fortune augmente sans cesse. Pour en revenir un petit peu sur précisément sur cette retraite, enfin il y a aussi un chômage des seniors qui existe. Qui est déjà problématique aujourd'hui. Est-ce qu'en augmentant l'âge de la retraite, on risque pas d'augmenter ce chômage et d'autres charges sociales? Alors, sans reparler des conventions collectives de travail, donc qui n'auraient donc pas d'augmentation de l'âge de la retraite. Dans les cas qui se présenteraient quand même, il existe la rente-pont qui permet à un senior de toucher un salaire jusqu'à l'âge de sa retraite sans pénalité financière. Et les cas existent, ils sont malheureux, parce qu'effectivement, je pense qu'une personne aimerait bien finir sa carrière professionnelle sur le marché du travail pour, comme vous l'avez dit, contribuer à l'économie. Malheureusement, certaines et certains sont mis de côté, raison pour laquelle des systèmes, des mécanismes sont d'ores et déjà mis en place. C'est quelque chose qui vous paraît aussi bien d'avoir des rente-pont, enfin, qui puissent pallier ce problème du chômage. Bien sûr que les rente-pont sont une solution. Je pense que la question du chômage, c'est aussi quelque chose qui se règle à plus grande échelle et pas juste à l'échelle des seniors à partir de 55 ans. Il y a des autres mécanismes, par exemple des garanties d'emploi, qui peuvent aussi rentrer en jeu. Ce qui est certain, c'est que l'augmentation de l'âge de la retraite n'est pas une solution. Ça fait que déplacer le problème en an plus vieux. Vous êtes tous les deux jeunes, vous vous engagez tous les deux sur la thématique des retraites. Comme question un peu de finale avant de faire intervenir le public, selon vous un système de retraite idéal? Moi, je pense que notre système de retraite, et en particulier notre premier pilier, c'est vraiment un des plus beaux acquis sociaux qu'on a en Suisse, parce que c'est un système qui est redistributif et c'est un système qui est solidaire entre les générations et entre les niveaux de revenus.
Moi, je pense que c'est ce système qu'il faut renforcer, contrairement au deuxième ou au troisième pilier. Nous, à la GS, on croit en l'abolition du deuxième et du troisième pilier en faveur d'un système de rente populaire qui fonctionnerait seulement avec l'AVS, avec une rente minimum de 5000 francs pour chacun. Tout simplement parce que tout le monde a le droit de vivre confortablement à la retraite, parce qu'après avoir contribué toute sa vie, on devrait pouvoir vivre sans devoir se soucier de comment on va payer ses factures, et aussi parce que les personnes qui sont les plus riches, les personnes qui se sont enrichies grâce au travail des autres, doivent payer pour les retraites de leurs employés, de ceux qui les ont enrichis. Donc forcément, la retraite, elle doit être financée de manière solidaire. Et c'est pour ça que l'AVS, c'est le bon mécanisme. C'est des trois piliers, c'est le système qui est le plus stable. Il est stable depuis 1948 et il continuera de l'être parce qu'il s'adapte à l'évolution de l'économie, à l'évolution de la productivité, et parce qu'il va chercher l'argent là où il est, dans les poches des patrons, dans les poches des actionnaires. Et c'est ça qui est juste, et du coup, pour construire une société qui est plus juste, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Merci, Jamil Moser. Le vôtre de système idéal de retraite, c'est quoi ? Alors, vous l'imaginez bien, ce n'est pas exactement le même. Nous voulons renforcer les deuxième et troisième piliers parce qu'ils permettent aux individus, aux travailleurs, de participer davantage à l'économie en y investissant directement. Moi, je m'étonne d'entendre cette semaine dans les médias, comme Mme Ruffy l'a dit, qui propose de supprimer purement et simplement les deuxième et troisième piliers, alors que, comme leur nom l'indique, ils constituent des piliers. Il n'y a qu'à voir en France l'année dernière avec la réforme sur les retraites, que la France a beaucoup de peine à financer son régime de retraite, qui est uniquement basé sur de la répartition. Ce système ne fonctionne pas. Il est beaucoup plus motivant pour les individus de cotiser pour des montants qui vont capitaliser et qui seront bien plus élevés au moment où ils attendront leur retraite. Je sais qu'on pourrait repartir sur un débat sur les trois piliers. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. C'est très dynamique et j'aimerais aussi entendre vos questions publiques. Oui, alors je sais pas, je vais me déplacer moi et amener le micro, je crois que... Alors, je vois monsieur là. Okay. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai la voix un peu cassée, donc si jamais vous comprenez pas certains mots, n'hésitez pas à me faire répéter. Donc on a une logique d'ultralibéralisation de l'économie qui notamment passe par les deuxième et troisième piliers et qui font que les retraites maintenant vont plus être financées par la spéculation que par le travail et la production de richesses. Comment est-ce que vous pouvez justifier que on va remplacer la spéculation par la vraie génération de richesses et donc refuser un 13e salaire à des personnes qui ont travaillé toute leur vie? Le micro, du coup, oui. Merci pour votre intervention. Toutefois, je ne comprends pas en quoi investir de l'argent dans l'économie n'est pas de la production de richesse, mais de la spéculation. Mettre de l'argent dans un deuxième pilier, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la capitalisation. Le deuxième pilier en lui-même, on est tout à fait d'accord, mais comment est-ce qu'il est ensuite investi ? C'est de la spéculation. On retrouve énormément de principes spéculatifs où on va avoir de l'investissement boursier, et ça, c'est de la spéculation, jusqu'à preuve du contraire. À moins que ça ait changé pendant la nuit, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, il me semblait que c'était de la spéculation. Même spéculation qui, d'ailleurs, est toujours responsable de pratiquement tous les crashs économiques. Alors, malgré deux guerres mondiales et de nombreux crashs économiques, vous savez que les marchés financiers sont sur une pente haussière depuis plus de 120 ans. Contrairement à l'AVS, qui est de l'argent qui est versé, qui est reversé directement aux retraites sans avoir grandi d'une quelconque façon. Sur les marchés financiers, chacun investit de l'argent directement ou indirectement avec des institutions financières. Et après 20, 30 ou 40 ans d'investissement, cet argent a pris des dizaines de pourcents. Alors que lorsque je cotise 500 francs, il n'y a que 500 francs qui est reversé aux retraités. Lorsque je cotise 500 francs au deuxième pilier, après 20, 30 ou 40 ans, ces 500 francs en valent des milliers. Il y a pas mal de questions, du coup. Je pense qu'on va, continuer avec d'autres personnes. Je ne sais plus qui y avait. Je crois que c'était vous, madame. Merci. Alors, juste là, pour finir sur le deuxième pilier, là, il marche tellement bien que
régulièrement on doit le modifier, et la prochaine modification, c'est quand même assez extraordinaire, c'est travailler plus pour gagner moins. Parce que on va pas, ça, c'est pas l'objet du débat, mais on voit bien qu'à capital constant, hein, sur 20 ans, etc. et tout, les rentes, elles ont diminué de 40%. Alors bon, spéculer pour que les gens vivent bien avec un deuxième pilier. Quant au troisième pilier, on n'en parle même pas, parce qu'il y a des gens qui ont des salaires de 4000 balles. Vous faites comment pour faire pour pouvoir encore mettre de l'argent de côté? Il y a quelque chose... bon, voilà, c'est sur le deuxième pilier, je crois que ce n'est pas l'objet, mais c'est quand même important de le dire. Vous craignez qu'effectivement... C'est un petit peu ce qu'on dit, c'est les jeunes qui vont être taxés, nani, nana, etc., etc. C'est un truc qu'on entend, parce que 0,4% en 2030, c'est énorme. Le deuxième pilier, à partir de 45 ans, ça sera 14%. Alors bon, si on fait une différence. Vous parlez effectivement de ça, simplement que vous oubliez aussi, et ça c'est quand même un argument... les vieux, hein, comme on dit, etc., et tout, ils participent encore aujourd'hui largement à la société. Quand on sait, moi je me rappelle d'un titre d'un journal qui disait la plus grande crèche de Suisse, c'est les grands-parents, 8 milliards. Donc effectivement, on n'est pas à côté. Et puis les jeunes qui doivent nous supporter, on leur permet de vivre, d'avoir deux salaires, parce que effectivement les grands-parents sont là. Alors après, je vais finir sur un tout petit truc, j'ai pas vraiment de questions, il y a quelque chose qui m'a choqué, vraiment choqué, c'est quand vous dites que aller au PC, enfin en gros et tout, c'est un droit. Moi ça me choque, même si vous dites que c'est un accès par la Constitution. Je veux dire, là en 48, l'ABS avait été créé parce que c'est une assurance sociale, solidaire, universelle, etc. Ça, c'est du droit. Quand on doit aller au PC, aller demander, aller quémander, parce que c'est ça, c'est quémander. Vous demandez, il n'y a aucun droit, parce que vous demandez, et après, avec beaucoup de remplissage, effectivement, de dossiers, on donne ou on ne donne pas, on quémande. Et ça, ce n'est pas du droit, et je trouve que c'est extrêmement grave de dire ça, parce que je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de gens, effectivement, et notamment c'est des femmes, qui ne vont pas au PC, parce que même les gens, quand ils n'ont pas droit de rond, ils ont de la dignité, et ça, c'est peut-être un concept qu'il faudrait peut-être une fois réfléchir. Il y a beaucoup d'interventions, peut-être que vous voulez réagir brièvement là-dessus. Oui, volontiers. Merci pour votre intervention. Je vais prendre mon exemple parce que vous avez pris le vôtre. J'ai travaillé pendant plusieurs années à 100%. Et lorsque j'ai décidé de reprendre mes études, je me suis dit, mais comment je vais faire pour subvenir à mes besoins? Eh bien, contrairement à ce que vous dites, j'ai eu un droit. Le droit à une bourse d'études pour continuer à vivre bien malgré mon changement de rythme entre le travail, 4000 balles par mois, comme vous l'avez dit, et aujourd'hui, plus rien parce que j'étudie encore, je suis encore à l'université. Eh bien, ce droit que l'Office cantonal des bourses d'études m'a offert m'a permis de continuer à vivre dignement. Ce n'est pas autre chose, parce que c'est la même chose. C'est un droit. Un droit qu'on a. Quand on n'a plus les moyens, on a un État qui est là pour nous attribuer des fonds parce qu'on en a besoin. Merci. Donc ça pose la question effectivement de l'automaticité des droits. Je ne sais plus qui était d'abord, avant, mais j'essaie de vous donner la parole à toutes. Je ne réponds pas vraiment au débat sur le droit. Enfin, il me semble que la bourse d'études, tout comme l'AVS, c'est un droit qui est payé par les impôts. Donc, enfin, il me semble que c'est, vous êtes en train de dire la même chose, c'est-à-dire qu'on devrait avoir droit de vivre dans la dignité, ce qui est payé par les impôts. L'AVS, pour l'instant, ça clairement n'arrive pas à faire vivre tout le monde dans la dignité, donc il faut changer. J'ai une question, mais je commence par une petite remarque. Vous parlez de... Vous êtes dans les faits, contrairement à madame qui est dans les sentiments. Et pourtant, c'est vous qui réagissez mal à quelqu'un qui rit dans l'assistante et qui, dans l'assistance, et sans qu'elle ait dit quoi que ce soit, vous supposez qu'elle est contre les rentiers. Enfin, c'est très émotionnel et c'est assez malhonnête, je trouve. Donc, je voulais juste dire ça. Ma question est peut-être... Elle me l'a dit. Elle a ri. Elle me l'a dit. Qu'elle est contre les rentiers. Alors, c'est ce que vous avez dit. Elle était pour la 13e rente.
Oui, mais vous avez dit qu'elle était clairement pas, qu'elle n'était pas pour aider les rentiers. Bien sûr. En tout cas, c'est... Parce que j'essaie d'avoir un débat de fond sur la question et ces rires m'ont déconcentré, déconcentré plusieurs fois, c'est ça. Ma question est peut-être naïve et montre que je ne comprends pas bien les choses, mais beaucoup du début du débat était sur le financement de l'ABS et les choses que vous dites semblent indiquer qu'il faudrait que l'ABS fasse un bénéfice. Et que si ça ne fait pas un bénéfice mais une perte, c'est un problème. Alors d'une part, est-ce que l'ABS est censé faire un bénéfice? Ça, je n'étais pas au courant. Et l'autre chose, c'est que vous parlez de... Il faut commencer par redresser les comptes de quelque chose qui va mal, alors que vous parlez de quelque chose qui va commencer à aller mal en 2030 au plus tôt. Donc vous parlez de... Il faut prioriser, redresser les comptes, parce que c'est ce qu'il faut faire avec quelque chose qui va mal, sauf que vous dites vous-même que ce n'est pas encore en train d'aller mal. Ça va peut-être, en 2030, à partir de 2030, commencer à ne plus faire de bénéfices. Merci pour votre question. Alors... Je ne me rappelle tout d'abord pas avoir dit que l'AVS devait faire des bénéfices. C'est un compte de répartition. Donc un compte de répartition, par définition, c'est un compte qui doit arriver à zéro. Et il ne va pas peut-être, comme vous le dites, arriver en 2030 ou plus tard à être en déficit, mais ce sont des faits qui sont objectifs. Donc, alors, il faudrait peut-être revoir votre définition de l'objectivité, mais pour moi, lorsqu'on dit en 2030, voilà combien l'AVS va perdre d'argent par année, quand on dit la 13e rente va coûter 4,2 milliards par année, voilà, moi, j'essaie simplement d'être dans l'anticipation. J'essaie de dire, avant qu'on ait 80 milliards de déficit, peut-être réfléchir à des moyens de financement, peut-être réfléchir à comment on va dépenser cet argent. Parce que si on réfléchit à comment dépenser l'argent quand il y en a déjà moins 80 milliards sur le compte, j'estime que c'est un peu trop tard. Merci. Il y avait d'autres questions? Ah, vous voulez juste réagir? Oui, bien sûr. sans relancer le débat, j'aimerais juste quand même revenir sur cette idée que les prévisions, c'est des faits. Ça ne peut pas être des faits parce que toutes les prévisions, elles sont basées sur des suppositions de ce à quoi va ressembler l'avenir, ce qu'on ne peut pas savoir. C'est aussi basé sur ce qu'on pense de l'économie. Il y a beaucoup de concepts libéraux quand même qui rentrent en ligne de compte quand dans le calcul des prévisions. Et en plus, les prévisions, elles se trompent. La fortune de l'AVS en 2020, elle était 15 milliards plus élevée que ce qui avait été prévu dans les estimations de 2011. Donc on ne peut pas se baser dessus en considérant que c'est un fait absolu, contrairement à tout ce que moi je dis, qui est bien sûr des suppositions. Les prévisions peuvent se tromper, beaucoup de choses peuvent évoluer et le financement peut être augmenté de d'autres manières. Merci. Bon, j'aurais quelques remarques à faire. D'abord, ce que j'avais dit avant, et je le répète, c'est pas le rapport 6,5 cotisants pour un retraité, c'est 6,5 personnes qui, en 1948, étaient âgées de 20 à 64 ans par rapport aux personnes âgées de 65 ans et plus. Voilà, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, comme l'a dit madame, en fait, les prévisions de l'OFAS sont basées sur des scénarios, c'est des hypothèses, et les hypothèses, bon, ben, elles se vérifient plus ou moins. Et donc, je voudrais rappeler aussi, par exemple, qu'en 2005, Otto Piller, qui était le directeur de l'OFAS, donc l'Office des assurances sociales, et son ministre de tutelle était M. Couchepin, a dit qu'à partir de 2011, on aurait de la peine à payer les rentes de l'AVS. Et c'était M. Piller, hein, donc le directeur de l'OFAS. Donc tout ça pour bien montrer que les prévisions, c'est pas une science exacte. Une troisième chose que je voulais dire, c'est que la Constitution fédérale prévoit que l'AVS doit répondre aux besoins vitaux de la population. Alors, en 1966, on a introduit les prestations complémentaires, justement parce que cette condition n'était pas remplie. Et c'était vu comme une solution provisoire. Malheureusement, la solution provisoire a duré, et c'est
de plus en plus flagrant que non, l'AVS ne répond pas, ne subvient pas aux besoins vitaux, alors que c'est dans la Constitution qui est un texte, tout ce qu'il y a de plus officiel. Merci pour votre intervention. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut réagir brièvement à cet apport, sinon je sais qu'il y a d'autres questions. J'ai vu, ouais, par là aussi. Tout d'abord, merci à vous deux, c'était très intéressant. Et j'aurais une question peut-être pour vous, monsieur, concernant le deuxième objet. Peut-être qu'elle est naïve, mais j'aimerais avoir votre avis, vu que vous représentez les JLR. Pourquoi un tel objet survient si rapidement après une réforme 21 ? Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas attendu une acceptation sociale avant, et aussi de traiter d'autres problèmes liés au salaire, notamment l'inégalité salariale entre hommes et femmes? Merci pour la question. Alors, comme je l'ai dit, il s'avère qu'effectivement, c'est une proposition qui est assez audacieuse et qui intervient très rapidement après l'acceptation de la réforme AVS 21. Toutefois, on ne choisit pas forcément l'agenda électoral, c'est le Conseil fédéral qui décide le moment dans lequel l'objet est voté, et la récolte de signatures avait déjà commencé depuis un moment. De plus, cette initiative, au-delà de toute considération sociale, elle invite à ouvrir le débat sur la question des retraites. Effectivement, c'est très tôt après l'acceptation de la réforme AVS, mais ça n'empêche pas que c'est une nécessité. Alors même si l'initiative pour les rentes est refusée et que la 13e rente AVS était acceptée, il faudrait trouver des solutions, que ce soit d'augmenter les impôts, d'augmenter les taxes, d'augmenter la TVA, d'augmenter les cotisations, comme Mme Ruffy l'a dit. Mais de toute façon, même si on accepte, ou même si d'ailleurs on refuse l'initiative pour la 13e rente, il faudra réagir. J'avais noté un truc, mais je ne l'ai pas forcément dit. Même si on acceptait l'initiative des jeunes libéraux radicaux et qu'on refusait la 13e rente, un jour ou l'autre, il faudra prendre des solutions supplémentaires. Donc c'est bien pour dire que même si on était dans une politique d'austérité maximale, il faudrait trouver des solutions de financement pour les générations futures, pour que nous aussi, après avoir cotisé 40 ans, on puisse avoir ne serait-ce que 12 rentes AVS. Merci. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Ouais. Alors, le fait que cette initiative sur les rentes, elle tombe si peu de temps après l'AVS, alors évidemment, c'est une partie en hasard, mais je trouve que c'est quand même intéressant de remarquer qu'il y a réforme après réforme après réforme de l'AVS, avec tout le temps des propositions et à chaque fois une rhétorique qui vient de la droite, comme quoi il faut sauver l'AVS de la faillite, et ce depuis le début des années 2000. Et la logique derrière, c'est parce que plus on dit que l'AVS est au bord de l'effondrement, plus on crée de la peur chez la population qu'elle doit absolument cotiser au deuxième et au troisième pilier pour pouvoir toucher suffisamment d'argent à la retraite. Et sur les deuxièmes et les troisièmes piliers, on peut faire du profit. Et il faut savoir que les banques et les assurances, elles investissent massivement dans les campagnes, que ce soit en faveur de l'initiative sur les rentes ou contre l'initiative pour la 13e rente, parce qu'il y a beaucoup de potentiel derrière de profit si les gens ont peur que l'AVS s'effondre et que du coup ils se rapportent sur le deuxième et le troisième pilier. Donc même si c'est peut-être pas un effort délibéré de cette initiative, ça rentre quand même dans un contexte qui n'est pas anodin selon moi. Ok, il y avait d'autres personnes? Oui. Je ne suis pas très copine avec les chiffres. Pour moi, c'est plus un problème un peu de société, de vision. On peut voir, vous avez mentionné que vous avez parlé d'argent et vous n'avez pas parlé de la réalité des gens sur le terrain. Vous avez parlé du deuxième et du troisième pilier. On sait actuellement, alors oui, le deuxième pilier et le troisième pilier sont excellents pour les assureurs. Donc effectivement, ça, je vous le reconnais. Mais pour la population, il y a encore énormément de femmes qui sont exclues, beaucoup de personnes, et notamment des femmes qui sont exclues du deuxième pilier.
Quant au troisième pilier, je crois que c'est 30% de la, mais je suis pas copine avec les chiffres, 30% de la population qui peut s'offrir un troisième pilier, et je sais pas le pourcentage des femmes, mais à mon avis, il est très nettement inférieur. Quand la gauche parle de revenus, quand on est en train de parler qu'avec l'ABS, on devrait pouvoir vivre dignement, vous êtes juste en train d'opposer les PC, qui effectivement, pour moi, sont une aumône. On vous met à poil, on vous met carrément à poil quand vous devez demander, quand vous allez demander. Et je ne suis pas quelqu'un, je l'ai vécu, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement impressionner. Mais effectivement, on vous met... Alors, je comprends, infirmière de métier, j'ai croisé beaucoup de personnes âgées à domicile et qui, effectivement, n'osaient pas aller demander. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas envie de se mettre à poil ou dans des petites communes qu'ils connaissaient parce qu'à la commune, c'est le fils d'Henriette et que ce serait quand même honteux de devoir demander de l'aide. Alors maintenant, j'ai deux questions. À vous poser, monsieur, vous qui mettez en avant qu'il y a d'autres solutions, je m'interpelle à savoir pourquoi vous n'avez rien proposé. Vous faites des promesses, mais les promesses n'engagent que ceux qui y tiennent, et je vous mets au défi de prévoir un projet qui puisse aider les plus démunis, voire la version, vous parliez des personnes qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Moi, je revendique que même les personnes qui sont dans la classe moyenne puissent vivre dignement et pourquoi pas s'offrir un restaurant de temps en temps, voire, horrible, partir en vacances de temps en temps. Voilà, donc ça c'est la première question que je pose. La deuxième question que je pose, c'est de savoir, à votre avis, quand est-ce qu'on parle, à quel moment on est senior ? On parle du chômage des seniors, à quel moment ? C'est quoi, senior ? 50, 55, 60 ? Je profite aussi de rappeler aux personnes qui sont en ligne qu'elles peuvent aussi poser des questions, je vous ai sous les yeux. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre intervention et je vais revenir point par point à vos différentes interventions. Alors, si j'ai parlé de la réalité, je suis connecté à la réalité, et surtout avec les seniors, et je vais vous en parler après. J'ai aussi parlé de la subjectivité de la situation des retraités, en mentionnant des études qui avaient été faites, des études quantitatives qui ont été faites auprès de l'ensemble de la population. Je pense notamment au panel suisse des ménages. Alors, effectivement, de nombreuses femmes sont exclues des deuxième et troisième piliers. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, que je me bats pour un abaissement des seuils d'accès et pour une éducation financière, pour que le plus de personnes possible aient accès à ces moyens qui sont pour moi les meilleurs moyens de capitaliser sur des économies, sur une épargne et sur des cotisations. À temps complet, en tout cas, au vu des salaires féminins qui sont nettement plus bas. Et ça, je ne sais pas, à ce moment-là, puisque les personnes âgées, apparemment, c'est un poids pour la société, donc on va les éliminer pour les gardes d'enfants. Mais c'est ce que vous dites, monsieur. Les pauvres jeunes qui vont devoir payer pour les retraités. Pour un salaire de 6 000 balles, c'est 24, les 0,4%, c'est 24 francs. C'est 24 francs par mois et ils vont en récupérer 2430. Je ne sais plus exactement. Donc voilà. Alors, je vous pose juste les questions et essayez de répondre un tout petit peu honnêtement. Je m'interroge sur la transformation de 24 francs en 2450 francs, mais j'aimerais juste continuer sur mes points précédents. Vous avez dit que les PC étaient une aumône, que c'était une honte, qu'on vous mettait à poil, etc. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Mais je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de demander ça parce qu'elles considèrent que c'est une honte. Là où je travaille avec des personnes âgées, chez Transport Handicap, nous contactons directement les PC pour les personnes. Donc je l'ai fait, j'ai contacté les PC et j'ai offert à des personnes des transports directement payés par les prestations complémentaires. Et j'en étais fier, j'avais pas honte, ces gens n'avaient pas honte, on était fiers toutes et tous de pouvoir obtenir ces prestations par un droit de l'État
parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu cotiser assez ou qui n'ont pas pu avoir accès au deuxième et troisième pilier, majoritairement des femmes, vous l'avez dit, et je le déplore tout autant que vous. Madame Greffi, est-ce que vous vouliez... Alors je termine peut-être aux interventions de madame. Vous m'avez demandé quelle solution je propose. Je peux vous garantir que je ne proposerai jamais une solution qui prétérite l'ensemble des actifs et surtout des jeunes pour aider les retraités. Et puis vous m'avez demandé à quel âge on est en senior. Alors ça dépend des conventions. Hein. Certains disent 55, ça dépend si on prend le Bureau international du travail ou le SECO. Voilà, pour moi ce sont des conventions. On est aussi senior quand on se le sent. Tout à fait. C'est un fait. Est-ce que vous savez les conditions d'accès pour avoir 62 ans révoqués ? Tout à fait. Pour moi, on est senior avant, ça élimine toutes les personnes qui se retrouvent en fin de droit à partir de 55, puisqu'on voit que le chômage, ça c'est les chiffres qui le disent, que le chômage est plus important chez les personnes de plus de 55 ans. Donc ça élimine. Alors ces personnes-là, elles vont faire quoi jusqu'à 62 ans révolus ? La majorité. De nouveau l'aumône. Non. La majorité d'entre elles retrouvent, l'immense majorité d'entre elles, ces personnes retrouveront un travail. Et celles et ceux qui malheureusement n'en retrouveront pas, il existe des solutions proposées par l'État, des assurances sociales pour lesquelles on paie des impôts et qui permettent de sauver ces personnes. On va peut-être juste laisser Mélanie Ruffy répondre aussi. Peut-être qu'il y a peut-être deux interventions après dans la salle. Mais vous pouvez aussi discuter après. C'est la passion du débat. Je comprends. Juste un tout petit point sur la baisse du seuil d'accès pour le deuxième pilier. Effectivement, c'est quelque chose qui est dans le projet de réforme du deuxième pilier qui est défendu par la droite. Sauf que malheureusement, dans ce projet, il est aussi associé par une baisse du taux de... Merci, du taux de conversion entre l'avoir et la rente. Et l'expérience et la recherche montrent qu'une baisse du seuil, si elle est associée à une baisse de taux de conversion, ne fait qu'on paye au final, on cotise plus pour recevoir moins. Donc la baisse du seuil telle qu'elle est proposée actuellement ne suffit pas en fait à compenser le fait que les rentes de la VS ne sont pas suffisantes. Aussi, par rapport, pour revenir au fait que les PC, c'est considéré comme une honte, c'est pas parce que c'est littéralement une honte de demander de l'aide sociale, c'est parce qu'il y a un climat autour, une stigmatisation du fait de devoir être à l'aide sociale, parce qu'on a l'impression d'avoir pas contribué à la société, par exemple. Et il n'empêche qu'avoir un système qui repose sur un automatisme, comme c'est le cas pour la VS, est beaucoup plus efficace en termes administratifs, mais aussi du coup forcément en termes financiers, qu'avoir un système sur la base de la demande, surtout que ce sont surtout les femmes, surtout les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, et surtout les personnes avec un niveau d'éducation plus bas, qui ne demandent pas ces prestations. Donc avoir un système sur demande, c'est fondamentalement beaucoup plus inégalitaire qu'avoir un système automatique. C'est pour ça que la VS est une meilleure solution que les PC. Est-ce qu'il y a encore des questions au fond, des personnes au fond qui ne sont pas exprimées? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, tout est possible. Si vous avez une remarque, je m'approche. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Monsieur, au fond, vous aviez levé la main, non? Okay. Je repasse la parole peut-être à des personnes. Je passe la parole à des personnes qui ne sont pas encore exprimées. Bonsoir. J'aimerais revenir sur les chiffres que vous avez donnés pour l'augmentation, enfin donner une 13e rente AVS. Vous avez dit que c'était 8,3% environ et que cette différence serait compensée par uniquement 0,4% une augmentation de la cotisation. Vous avez aussi dit que 3 cotisants payent pour un retraité. J'ai fait un bref calcul avec une rente moyenne de la VS à 2000 francs par mois. Ça nous fait un salaire annuel brut moyen de 160 000 francs. Et je pense qu'on est loin de ce salaire annuel en Suisse. Et du coup, je pense pas que le calcul est forcément juste et que cette différence, elle va aider pour cette 13e rente AVS.
Alors, je peux pas, malheureusement, je ne peux pas répondre exactement sur la teneur des calculs parce que j'ai réutilisé les chiffres qui étaient proposés par les syndicats. Il est possible que ces 0,4 soient aussi appuyés sur le fait que l'AVS fait des profits et ça pourrait, ces profits pourraient en partie éponger cette dépense en plus. Mais en plus, je ne veux pas débattre du fait que l'AVS n'a pas besoin d'un financement supplémentaire à terme, parce que ce serait bien un financement supplémentaire pour pouvoir augmenter les rentes aussi au-delà de cette 13e rente. Parce que, comme je l'ai dit, nous, par exemple, on a une vision avec une rente minimum à 5000 francs. L'argument, outre le fait que l'AVS n'est pas en faillite, c'est aussi que si on veut augmenter le financement de l'AVS, il existe d'autres mécanismes que seulement l'âge de la retraite, et il existe des mécanismes redistributifs, comme j'ai dit, par exemple la cotisation, une cotisation progressive ou une cotisation sur les revenus du capital. Monsieur. Alors, personnellement, je pense que notre système de retraite actuel avec ses trois piliers, c'est un bon système. Je pense que le problème actuel, c'est qu'il y a une certaine tranche de la population qui n'a pas pu participer à ce système. J'en ai parlé d'ailleurs à midi avec ma grand-mère, qui n'a pas de deuxième pilier ni de troisième pilier. Donc elle est dans cette situation-là, elle est concernée par cette initiative. Et c'est pour ça que je pense que si on peut vivre, travailler en ayant actuellement ce système des trois piliers, le système fonctionne. Le fait que ma grand-mère actuellement a une retraite qui est faible, c'est parce que justement elle n'a pas de deuxième ni de troisième pilier. Et c'est pour ça que je pense que c'est une meilleure option de mettre en place des mesures spécifiques et temporaire pour cette tranche de la population qui n'a pas pu cotiser ce deuxième pilier, ce troisième pilier, et notamment ces fameux PC. Alors je comprends tout à fait que ce soit difficile de demander ce PC, mais je pense que dire que c'est de l'aumône, c'est peut-être un petit peu exagéré. Et c'est pour ça que je pense que ce serait plus logique de proposer des mesures spécifiques à ces fameux 14% de retraités, plutôt que de changer la constitution et de taxer tout le monde pour que tout le monde soit gagnant à la fin, alors qu'il n'y a que 14% qui en ont vraiment besoin. Et vous avez parlé avant des bas salaires aujourd'hui à l'heure actuelle, où c'est difficile de cotiser pour un deuxième pilier et un troisième pilier. Je ne pense pas qu'une taxe supplémentaire soit bien pour ces personnes-là. Vous vouliez rapidement réagir. Après, je vais prendre peut-être encore une ou deux questions, si possible, de personnes qui ne se sont pas encore exprimées en priorité, en tout cas. Mais je vous laisse réagir si vous voulez. Oui. Alors déjà, j'aimerais vraiment insister sur le fait que ces 14% de personnes à la retraite qui sont sous le seuil de pauvreté, ce n'est pas les seules personnes qui ont besoin de cette 13e rente, parce que beaucoup de gens ne reçoivent que au-delà de ces 14% ne reçoivent que l'AVS, comme on l'a mentionné, qui ne suffit pas. Et les PC en elles-mêmes ne suffisent pas à compenser le fait que les gens n'ont pas cotisé au deuxième et au troisième pilier. Aussi, il y a la question de... On peut se demander pourquoi les gens ils ont pas assez d'argent pour cotiser au deuxième et au troisième pilier. Là, on tourne sur la question des salaires, encore une fois, qui affecte beaucoup les femmes à cause des inégalités à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que les femmes, bien souvent, doivent travailler à temps partiel, parce que c'est encore elles, beaucoup, qui sont en charge du travail domestique, d'élever les enfants, de s'occuper s'il y a des personnes malades ou âgées dans la famille. Donc les femmes, structurellement, ont plus de peine à travailler à temps plein, et donc forcément peuvent cotiser moins au deuxième et au troisième pilier. Donc tant que le système y repose là-dessus, et tant que le travail n'est pas réparti de manière équitable entre hommes et femmes, forcément les femmes elles gagneront moins d'argent à la retraite, puisque ça fera en mesure à quel point elles ont pu travailler à temps plein, ce qui est souvent moins que les hommes. Je prends en priorité les personnes qui n'ont pas parlé. Monsieur Alice. Oui, alors déjà, juste une petite précision pour les 0,4%. En fait, c'est 0,4% par employeur et par employé, ce qui fait un 0,8%.
ce qui fait que les 160 000 qui étaient, on les divise par deux, un salaire voilà, médian, enfin voilà. Donc il y a la part employeur et la part employé qui sont pris en compte dans ces 0,4. Donc en fait, ça fait du 0,8%. Voilà, juste petite précision, ce qui rend quand même les choses un petit peu différentes. Moi, ce que je trouve intéressant en vous entendant, si on prend un tout petit peu d'auteur comme ça ou de distance, c'est que je trouve que, ben oui, on a derrière ces deux objets de votation, on a quand même deux visions qui sont très différentes. On a aussi, je trouve, deux temporalités qui sont très différentes. Parce que moi, j'essaie de m'interroger, par exemple, à titre personnel. Voilà, moi, j'ai 59 ans, donc ça s'approche. Je peux être très tenté de voter oui à un 13e. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas. Enfin, il y a toutes les questions qui ont été soulevées, hein, avec toutes les postures qui sont possibles. Après, ben, si 0,4 plus 0,4, est-ce que finalement, bon, c'est une possibilité, hein, ça pourrait être une augmentation d'un pourcentage de la TVA, ça peut être plusieurs éléments qui veulent rentrer en ligne de compte. Est-ce que la société, quelque part, est prêt à faire ce pas-là? Parce qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, au-delà de tous les chiffres, si ce surplus, s'il vient à passer, ben, faudra bien que d'une manière ou d'une autre, la société le paye. Après, je trouve qu'il y a aussi vraiment une question de vision aussi. On voit bien, d'un côté, on a vraiment un accent fort sur le premier pilier, l'AVS. C'est très redistributif, on a entendu ces éléments-là. Puis de l'autre côté, on a les trois piliers. Moi, les trois piliers, je trouve le système tout à fait intéressant, mais je me pose la question quand même un petit peu sur la solidité de ces trois piliers, parce que qui y a droit véritablement? Le deuxième pilier, c'est, ben, on voit aussi qu'avec il y a quelques années, tout le monde avait la primauté dite des prestations, hein, ce qui assurait quand même un bon deuxième pilier. Aujourd'hui, on est dans la primauté le plus souvent maintenant des cotisations, ce qui fait qu'on continue de cotiser. Je vois bien mon exemple. Et puis à la fin de l'année, eh ben, j'ai cotisé pendant toute une année, mais ce qu'on me signifie à la retraite, c'est moins que l'année d'avant, alors que j'ai cotisé pendant une année. Et puis là, je parle de quelqu'un comme moi qui a la chance de travailler à 100%, mais ce deuxième pilier, il est souvent inexistant ou réduit à peu. Donc, je trouve qu'il y a une réflexion globale, mais que ces deux objets vont en amener, c'est là un peu où je voulais en venir, c'est que ces deux objets vont en amener d'autres. Je pense que quelle que puisse être sa couleur politique, parce que les projections sont quand même là, le système tel qu'il est, il va d'une manière ou d'une autre devoir être repensé pour son financement, ça paraît très clair, quoi. Quand on regarde des projections vraiment très diverses venant de différents milieux, et on voit que tous les pays autour de nous, ben, sont confrontés à la même problématique, et puis avec des augmentations de l'âge de la retraite notamment, quoi, plus de flexibilisation pour certains, etc. quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé très intéressant, mais je me sens très partagé par rapport à ces deux objets. Merci. Je peux peut-être réagir rapidement. Merci beaucoup pour la pertinence de votre intervention. Pardon. Alors, j'aimerais juste réagir sur deux points que vous avez donnés. Effectivement, c'est tout à fait juste ce que vous avez dit quant aux cotisations. C'est 0,4 plus 0,4, ça va financer 4,1 milliards. Donc, c'est simple. Ça fait 2 milliards qu'on retire aux travailleurs. Et 2 milliards qu'on retire aux entrepreneurs. Et par entrepreneur, j'entends pas Nestlé ou Holcim, j'entends les 99% de petites et moyennes entreprises qui composent le tissu économique suisse. Deuxième point, la majorité des pays que j'ai cités auparavant ont bien compris que la seule solution, alors effectivement, c'est pas un gage de réussite, mais à un moment donné, si tout le monde fait pareil, c'est bien que ça a été réfléchi par les économistes et que finalement, la Suisse n'est pas supérieure aux autres, n'est pas plus intelligente que les autres. Et les autres États ont bien compris que malheureusement, pour pouvoir continuer à financer l'AVS, il va falloir travailler davantage. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être les personnes qui ont déjà parlé, peut-être que de manière informelle, après vous aurez l'occasion. Je me réjouis beaucoup que ça anime beaucoup et que vous ayez envie de réagir. Mais je pense qu'on peut aussi gentiment conclure et prendre éventuellement une dernière question de personne qui a hésité à parler et qui se dit, bon, allez, c'est le dernier moment. Ce n'est pas le cas. Bah, vous pouvez aussi aller après parler de manière informelle avec les intervenants.
Et je vous remercie beaucoup, déjà à vous deux, d'avoir été là et d'avoir mené vraiment un débat très riche, très intense. Et puis, vous, public aussi, pour votre présence et puis d'avoir aussi bien participé. Et puis, l'espace Dickens à nouvelle perspective pour ce beau projet. C'est une première et je pense qu'elle est bien réussie. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. Et merci pour l'invitation à participer au débat. Excusez-moi, non. Avant que vous ayez tous mis vos manteaux et que vous soyez prêts à partir et prêts à partir, en fait, l'espace Dickens, donc mon collègue vous propose une petite chose à boire et à manger. Voilà, avant de mettre vos bonnets et vos gants.